Évoquer des vagues de 8 mètres en Bretagne, Alexandra. Hein. Regardez cette vidéo qui m'a été envoyée par les marins pêcheurs au large du Morbihan. Image donc impressionnante avec des vagues qui ont localement dépassé les 7 à 8 mètres en Bretagne. En cause, eh bien, nous étions en marge de la dépression Barra. Cette tempête Barra est donc conséquence, un temps très agité et localement jusqu'à 117 km/h de vent relevé du côté de Ouessant. On va conserver aujourd'hui des conditions météo assez maussades. Le vent continue d'ailleurs à souffler près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le Pays Basque. Et puis on attend également du mauvais temps sur l'est du pays avec de la neige dès ce matin, des 700 mètres d'altitude avec des cumuls de neige importants attendus tout au long de cette journée de mercredi, mais également au moins jusqu'à vendredi. Dans l'après-midi, toujours un temps assez variable. Attention également aux orages, au risque de grêle sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche, entre la Bretagne et la côte d'Opale. Vous allez avoir un temps agité, du vent, de la pluie et parfois donc ce risque de grêle. On retrouvera également du mauvais temps sur le Cap Corse avec de bonnes rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h. Les températures, températures assez contrastées ce matin, mais plutôt douces, 5 degrés en moyenne en allant vers le sud-ouest, 7 degrés sur le pourtour méditerranéen, 2 petits degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent à peu près conformes au normal de saison. 10 degrés pour Biarritz, vous aurez 8 degrés à Paris, 7 degrés pour la région lilloise ou encore pour le Lyonnais et localement 15 degrés à Ajaccio. La suite du programme, des conditions météo agitées tout au long de la semaine.